Yep. Merci à Wondershare Recovered qui sponsorise cette vidéo. Ce logiciel est un outil de récupération des données supprimées sur votre ordinateur. Il est compatible avec Windows et macOS. Il reconnaît plus de 1000 types de fichiers différents. Le lien est dans la description. Ça m'est déjà arrivé de supprimer des fichiers vidéo sur lesquels j'avais déjà fini normalement de bosser et finalement avec le recul regretté car j'avais plus la possibilité de rattraper une erreur sur le montage. C'est un exemple dans lequel j'aurais très bien pu utiliser Wondershare Recovered. Vous pourrez également prévisualiser le fichier afin d'être sûr qu'il n'est pas endommagé avant de le télécharger. Petit tuto rapide. 1. Télécharger et installer le logiciel. 2. Lancer Recovered et choisissez l'endroit où vous souhaitez récupérer le fichier. Ça peut être aussi une clé USB ou un disque dur externe. 3. Cliquez sur Démarrer et attendez la fin du scan. Et enfin, 4. Retrouvez le fichier que vous souhaitez récupérer. Sélectionnez-le. Et pour finir, cliquez sur Récupérer. Simple, efficace et rapide, merci encore à Wondershare Recovered. Le lien dans la description. Et nous, on est reparti avec notre petit RP de qualité sur Brookhaven. Et bienvenue dans le journal télévisé de Brookhaven, le Brookhaven News. Vos informations tous les soirs à la télévision. Aujourd'hui, info spéciale. Oui, la banque de Brookhaven a encore été attaquée. Mais tout le monde se pose la question, par qui? Par quoi? Eh bien, toujours la même personne. Le voleur fantôme a frappé pour la 4e fois cette semaine. La banque est encore prise d'assaut. Tout le monde se demande... qui est donc cette personne? Beaucoup de rumeurs autour de ça. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on le retrouve. Ce braqueur-là, je commence à en avoir ma claque, quoi. Mais ça doit être un braqueur très expérimenté. Il nous a encore échappé, chef. Non, mais quand même, on est beaucoup de policiers et on n'arrive pas à attraper ce fugitif. Il va falloir qu'on renouvelle nos recrues, parce que là, ce n'est plus possible. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait virer le stagiaire, là? Il est nul! Bien sûr, faut le virer, on le vire direct. C'est pas grave, ça fera plus d'argent pour les autres policiers, quoi. On le paye déjà à part, chef. Moi, tu vois, je pense honnêtement que ça doit être... on le payera pas, peut-être, mais je pense que... Tu vois, ça fait plus d'argent, plus d'économies pour la police, donc honnêtement, c'est mieux qu'on le vire. Donc je pense qu'on va le licencier et on va le virer d'ici dans les heures qui suivent, quoi. En plus, chef, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il va aux toilettes, il manque 3 rouleaux de PQ derrière lui. Ah, mais je pense qu'il est constipé, ce monsieur, quand même. Ah. Et Jason, je t'ai dit de pas toucher au lavabo. Il va plus y avoir d'eau. Bon, du coup, désolé. Concernant l'enquête, chef, il y a un collègue qui a émis l'hypothèse qu'apparemment ça pourrait fortement être un employé de la banque. Un employé de la banque? Oui, chef. Il faut qu'on coffre. Il va falloir qu'on... Il faut que vous m'attrapez tous les employés de la banque et que vous me les questionnez un par un. Parce que c'est pas possible. À chaque fois qu'on arrive sur place, on le voit jamais sortir de la banque. Jamais? Jamais. Pourtant, dès que l'alarme sonne... Si a vu quelque chose. Ben justement, il faudrait voir. Imaginez que tous les employés de la banque soient de mèche. Et si jamais ils étaient tous de mèche, faudrait tous les boucler. Exactement, chef. Exactement. Faites-moi un rapport sur la situation de la dernière fois. Ok, chef. Je fais ça. Yomman, Il est où, papa? À ton avis, il est au travail, Ticon va.
Mais il vient pas manger ce soir? Non, puisqu'il est au travail, tu comprends pas ou quoi? Et on mange quoi du coup? Oh là là, mais qu'est-ce que t'es chiant? Bah je sais pas, ouvre le frigo, prends des restes, hein. Je suis pas ta boniche, hein. Je suis juste ta mère, c'est tout. Ok, ok. Enfin la maison, quoi. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est un chien que je veux avoir plus tard. Ah, j'ai reçu un message. Bon, de toute façon, on s'en fout. Alors, ça, j'irai après dessus. Apparemment, il parle de moi. Ah, ça fait pas mal de bruit. Intéressant. Je vais devenir quelqu'un d'incroyable. Tout le monde va m'adorer. Puis le voleur fantôme. Qui peut rêver mieux d'être appelé comme ça? Bah, ce soir, va falloir que j'achète encore plus d'explosifs. Je peux y aller. Victor, encore une fois, tu n'as pas préparé le dîner. Ta pauvre mère a la faim. Donc, tu vas rapidement monter en haut, faire à manger, parce que sinon je te coupe ta connexion, d'accord? Oui, 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 c'est bon, je me lève, je vais éteindre la télé. Tu savais qui je suis. Tu me parlerais pas comme ça. Wouah! C'est la nouvelle du collège! Elle est incroyablement belle! Oh putain, des fois j'ai envie de lui faire des bisous et tout, mais vas-y, il y a trop de garçons qui sont sur elle! Si elle savait tout ce que j'éprouve pour elle. Oh là 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 là. Mais bon. De toute façon, elle m'a donné son numéro. Donc dans tous les cas, je comprends même pas pourquoi elle s'intéresse à moi. Alors que de base, eh ben, je suis un fantôme. Tout le monde en a rien à foutre de moi. Il s'enchaîne tellement de choses, je comprends pas. C'est bizarre. Salut Victor. Salut, salut. Quoi? Elle me parle? Mais elle me parle, mais c'est trop génial. Victor, il faut que je te parle juste une petite minute. Oui, oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors en fait, je pense que t'as remarqué que je te regarde beaucoup en ce moment et en fait, je m'intéresse à toi, je trouve que t'es trop un beau garçon. Elle s'intéresse à moi, mais... Je sais pas comment je vais réagir, mais... Ouf! Là, la pression, elle monte. Je sais pas comment je vais faire. Et... Attends. Quoi? Tu viens de me dire que je suis un beau garçon? Oui, Victor. Et je me suis dit, en fait, si ça t'intéresse, si on pouvait sortir ensemble ce soir. Elle veut sortir avec moi, mais c'est incroyable! Oh là là, je crois que mon cœur, il bat à 100 000 à l'heure. Ouh! Oh, je suis en train de partir sur une autre planète complètement. Je suis complètement fou. Ah! Mais bien sûr, on peut sortir ensemble ce soir quand tu veux, là où tu veux, toute la night. D'accord. Bah, on se donne rendez-vous aux écuries de Brookhaven. Il y a un petit chemin de promenade à côté. C'est très romantique. J'aime beaucoup. Ça y est, je crois qu'elle a emballé mon cœur. Elle veut qu'on part se tenir main dans la main aux écuries. Comme si je pouvais pas rêver mieux. Mon cœur est tellement emballé. Je suis en train de mourir. Oh, je crois que je meurs d'amour. Si je serai à l'heure. Ça marche. À tout à l'heure, Victor. À tout à l'heure. Ok. Salut, Géraldine. Salut, Victor. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Attends deux secondes. Dis-moi, tu n'aurais pas une ventoline, s'il te plaît? Non, désolé. Parce que sans toi, je n'arrive même plus à respirer. Ah, ok, d'accord, et sinon ça va? Ça t'a pas plu? Ça t'a pas plu? Attends, deux secondes. D'accord. Ok. Notre amour est comme le vent. Je ne peux pas le voir, mais je peux le sentir. Ok, Victor, c'est mignon, mais déstresse, hein, Victor. Je te sens extrêmement tendu. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, d'accord? Calme-toi. Ok, ok. Je déstresse, c'est bon, tout va bien. Ouh. Ok, respire. Bon, si j'aurais une ventoline, je t'en aurais donné une, effectivement, mais ce n'est pas le cas. Mais respire, ça va bien se passer.
C'est notre premier encart, en amoureux, c'est très romantique, il fait très bon, on est dans un très joli cadre avec des jolis chevaux. C'est magnifique. Ouais. Attends, t'inquiète pas. Attends. Je déstresse. J'ai besoin de déstresser. Tout va bien. Ouf, voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Bon, on va parler un petit peu. Parce que voilà, je m'intéresse beaucoup à toi. Et du coup, par exemple, j'aimerais bien savoir ce que tu fais après les cours. Je fais mes devoirs. Mes devoirs, oui. Faut que je lui dise. Faut que je lui dise que c'est moi le voleur fantôme. C'est ma première copine. Et puis, j'en ai pas eu d'autres. Donc, il faut que je lui dise la vérité. Si je lui dis pas, je suis un lâche. Voilà, je le dirai qu'à celle que j'aime. Géraldine, il faut que je te dise quelque chose. Oui, je t'écoute, et Victor. C'est quelque chose de très secret. Quelque chose que je dis à personne. Vraiment à personne. Mais il faut que tu me promettes que si je te le dis, tu me fais un smack. Oh, si ça en vaut la peine, bien évidemment, je te ferai un smack. En plus, maintenant... Oui, un très très gros smack, même plus qu'un smack, il n'y a pas de problème. Avec la langue. Mais oui. Comme ça. D'accord. Oui. Bon. Range ta langue, Victor. En plus, on est un couple, il faut qu'on se fasse confiance. Si je suis ta copine, il faut que je sache tout sur toi, Victor. Oui. Je te dirai tout. Mais juste, il faut que tu ne dis rien. C'est un secret. Tu vois, ça reste entre nous deux. Tu vois ? Il faut que tu me fasses confiance, Victor. Je suis ta copine. Il faut vraiment que tu me fasses confiance. Je ne dirai rien à personne, ne t'inquiète pas. Dis-moi tout, Victor. Je suis le voleur fantôme. Quoi, Victor ? Mais n'importe quoi, Victor. C'est le voleur fantôme, c'est un adulte qui a plein d'expérience, qui est professionnel. Oui, le voleur fantôme. Je te le dis. J'ai quand même du mal à te croire, Victor. Écoute, je suis le voleur fantôme parce que c'est moi qui fais toutes ces opérations, j'ai des plans de la banque, j'ai plein de choses. Donc c'est moi le voleur fantôme. Je veux que tu me crois. Et je veux que tu le dises à personne. Mais attends. Le voleur fantôme ? Mais attends. Mais tu les avoues, ces plans de la banque ? Je les ai parce que j'ai hacké la banque. Je suis un très grand hacker. Je me suis beaucoup informé sur tout ce qui était de l'informatique. Ah bon ? Mais ils sont où tous ces plans ? Eh bien, ils sont dans ma chambre. Je pourrais te les montrer si tu veux. Il y a plein de choses. J'ai des explosifs. Plein de trucs qui permettraient de faire un braquage parfait. Mais tu comprends ? Victor, c'est dangereux les explosifs. Je sais bien, mais non, je fais ça pour me faire une notoriété, j'en ai besoin. Notoriété. Tu me fais confiance ? Oui, Victor, j'en ai bien assez. Ok, Victor, tu es en état d'arrestation, je te prierai de te retourner et de bien vouloir mettre tes mains en évidence derrière ton dos. Ouais, mais t'as pas le droit. On avait dit que moi et toi, c'était pour la vie. Pour la vie, forever. L'amour, tu comprends ? C'est pas possible, ça. Je viens de tout te dire, je t'ai tout avoué. Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, Victor, En fait, en réalité, je ne suis pas une lycéenne. Je suis agent de police infiltré à ton école, exprès pour toi. En fait, j'ai infiltré cette école car nous avions déjà des doutes sur toi, Victor. Mais nous n'avions aucune preuve et nous ne pouvions pas perquisitionner ta maison, donc... grâce à tes aveux qui ont été enregistrés, eh bien, on va pouvoir te mettre en garde à vue le temps de perquisitionner ta maison. Et je suppose que, comme tu l'as dit, on va pouvoir retrouver les explosifs et les plans de la banque chez toi. Géraldine, est-ce qu'au moins j'aurai le droit à mon smack avec la langue ? Victor, tais-toi et avance. Ok. Bonsoir et bienvenue sur Brookhaven News. Ce soir, information concernant le voleur fantôme. Il a été démasqué, il s'agirait seulement d'un adolescent de l'école de Brookhaven. Rien d'intéressant, rien de palpitant. Bon, on passe à l'info suivante.
Vous vous rendez compte, le chien disparu de Madame Josette a été retrouvé. Oh mon Dieu, mais quelle information, c'est du délire. Il était depuis le début sur l'arbre dans le jardin de Madame Josette. Oh mon Dieu, des pompiers se sont déplacés sur place. Ils faisaient tellement chaud qu'ils ont même enlevé leur camisole. Ouh là là, j'ai chaud.